こんにちは、聖書処方会の上平大河です。 Bonjour à tous, je suis Etienne de Seychaux. Hello everyone, good day to you, I am Etienne from Seychaux. 今日は聖書漢字ビギナーコースの19回目をやってまいります。On passe directement au boulot, j'aime bien ça, we're going straight to business, I like it. La leçon du jour sera la leçon numéro 19 du cours de calligraphie pour les débutants. Today's lesson is lesson number 19 of Seychaux's kanji course for beginners. 今日も漢字2つやっていきます。1つ目が早い、音読みがそう、訓読みが早いで、こちらの早いなんですけれども、例えば足が早いとかそういう時には使いません。これは起きるのが早いとか。 Alors aujourd'hui on passe directement à l'action avec deux kanji dont il y a beaucoup à dire. Le premier est intéressant car c'est un adjectif et il me semble que c'est le premier adjectif que nous voyons dans le cadre de nos leçons. Today we're also going to review only two kanjis because they are hard and there is a lot of things to say about them, especially the first one. It is an adjective and it's the first one we're seeing in one of our lessons. So I think we should discuss it a bit more than usual.Le premier kanji que nous allons voir est celui-ci et son kunyomi est hayai, hayai. Le onyomi est so. Ça veut dire tôt, mais ça peut également vouloir dire rapide. The first kanji we're going to see today is this one. It is read in kunyomi hayai, hayai, and the onyomi is so. It means early, as in early morning, but can also mean fast.Alors, je vais faire une petite parenthèse pour expliquer comment, brièvement bien sûr, comment les adjectifs fonctionnent en japonais. Un peu comme au verbe, il faut souvent rajouter « re » à la fin pour les adjectifs, ou en tout cas une des formes d'adjectifs, on rajoute « i » à la fin. Ceci veut donc dire « haya » et nous allons écrire en hiragana « i » après. Et c'est toujours le « i » qui sera conjugué en quelque sorte. Tatoeba « haya ku »,« haya ku nai », par exemple. Par exemple, si on voulait dire to hayai, si on voulait dire pas to, ça deviendrait haya, on ne change pas haya, mais à la place de i, on met kunai. Haya kunai. C'est qu'un exemple. For example, if we want to conjugate and use hayai in a sentence, the base haya never changes. It's the I that we conjugate. For example, if we would say the opposite of hayai, for example, not early, we would say we put haya, but instead of I, we put kunai. Haya kunai is not early. 次の漢字は音読みが出、訓読みがでになります。Le prochain kanji que nous allons voir a énormément de ipa yomikata, je ne sais pas. Comme tu vois, demain. À beaucoup de lectures, nous allons donc juste passer en revue la plus simple. Le kunyomi est de, avec ru après, on écrit ru.En hiragana juste après, et le onyomi est shimomitai shutsu. Il veut dire en quelque sorte arriver, mais également sorti. The next kanji we're going to review today has an immense amount of usages, so we're going to just use the most common and commonly used today. The kunyomi is de with ru in hiragana, deru.And the onyomi is shutsu. It has many usages, as I said, but let's keep the most common ones, which are appearances, which kind of means arrival, or most commonly, exit. Il est intéressant de noter que, Ishuni, si nous les utilisons ensemble, hayade. Ils deviennent exactement hayade, qui veut dire plutôt.Arriver trop tôt, arriver à l'avance, exactement. If we combine them, they become hayade, which means early attendance, or more commonly, more practically, early arrival, being early on time, which is very good in Japanese culture, ce qui est très bien dans la culture japonaise, toujours arriver en avance. C'est parti, let's go. Je vais essayer de garder le rythme que j'ai trouvé la dernière fois. I'm trying to keep the rhythm I found last time, which was good for me.いいリズムをつかめたんですか？前回のリズム完璧だったと思う。
次。Désolé, je décris pas beaucoup ce que je fais, mais je suis très concentré. I'm sorry, I'm not explaining much of what we're doing, but I'm a bit focused. この2つで早で、早いと出る、この2つを書きました。今回はちょっとまっすぐな線が多かったので、特にまあリズムというか大事だったのかなと思います。 Le rythme que nous avons utilisé était assez difficile. Beaucoup de traits droits. Le plus important, ne pas trembler et faire des traits continus. There were a lot of straight strokes today. The most important is to keep the rhythm and not to tremble. Taiga sensei stroke are really straight and clean, whereas I'm shaking a tiny little bit. Les traits de Taiga sensei sont extrêmement propres et lisses, contrairement à moi qui tremble un petit peu vu que j'écris trop lentement. This is something I must trade on. C'est quelque chose que je dois améliorer et pratiquer. なかなか難しかった。まあ難しい字なんですけれども、これができるとたくさん他の字も書けるようになります。どんどん練習して頑張って上手くなってください。 Des mots d'encouragement de Taiga sensei. Ce sont des conduits très difficiles, mais si vous vous entraînez avec cela, vous deviendrez capable assez facilement et rapidement de devenir capable d'écrire beaucoup d'autres kanji. Taiga sensei vous invite donc et vous encourage à pratiquer, pratiquer, pratiquer pour continuer à vous améliorer. Here are some words of advice from Taiga sensei. He advises that youPractice and train with these kanji a lot. Practicing these two that are hard will help you improve a lot. So practice, 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 and you will see results really fast. で、その練習をするためになんですが、今回、清少漢字ビギナーコース、これが55回あるのですが、そちらの19回目です。なんとその PDF があります。Mais quelle est la meilleure solution pour vous entraîner et pratiquer? C'est d'obtenir notre PDF et de pratiquer avec nous en ligne. 55 leçons.Pour 1000 yens, un très bon moyen de devenir bon en calligraphie, comme moi j'espère. What is the best way to get better at calligraphy and kanji? It is to get and download our 55 lessons kanji course for beginners that you can obtain by writing to us for about 1000 yen, that is $10. Thank you very much for watching the video. As usual, make free to like, subscribe, and we will see you on the next lesson on Seisho's beginner course about kanjis.Bye bye. Bye bye. Very fast, very, very fast. Très rapide, très rapide.